L'objectif de cette mission au chantier agroécologique de Ndiémane est de faire découvrir aux apprentis du CFA de Pugnac-Reignac et du CFM de Reignac les pratiques agroécologiques qui sont explorées dans ce centre et de leur faire partager la vie des cultivateurs dans les oasis et la vie bien sûr de tous les villageois. Donc c'est à la fois un projet qui est basé sur l'échange de pratiques professionnelles agricoles et qui vise bien sûr à revenir enrichi par les pratiques agroécologiques, mais c'est aussi un projet qui vise l'interculturalité, la rencontre, le partage, la découverte des autres et bien sûr voilà, la convivialité. Bon, pour ce qui est de la convivialité, nous avons peu de craintes puisqu'en général, le Sénégal, c'est la Teranga et tout va très bien se passer. Cette fois-ci, nous avons réussi à faire venir les femmes en nombre et elles sont venues à votre accueil. Elles sont venues pour vous dire soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. Belle, on a pas. Ça va? Ça va bien? Ça va bien. C'est pas facile. Ensemble, il faut reverdir le Sahel. Fenaison, paillage, pesticides naturels, compost, des pratiques agroécologiques pour stopper la désertification, préserver l'environnement, gérer l'eau, fertiliser les sols. Dans l'usine à engrais, à l'atelier compost, la technique des trois lits. Matières végétales et animales sont superposées pour mûrir pendant 6 semaines après avoir été déplacées d'un lit à l'autre tous les 15 jours. Moyen traditionnel et clé de l'agroécologie, l'art de fabriquer de l'humus est ici enseigné. Oula. Avec un habit, ça va ? Cannabis. Elle est cannabis. Elle est Adrien. La pépinière, lieu de vie, du savoir, de la mémoire collective sur la connaissance des espèces, elle est au cœur du centre. À la fin de la saison des pluies, nettoyage, désherbage, tri des branches et des herbes s'impose. Les espaces vides vont recevoir 1130 graines de forbes et d'acacia mellifera, destinées à la plantation de haies vives dans les oasis. L'oasis, l'opin de terre protégé d'une haie vive et doté d'un puits. Fruits, légumes, céréales y sont cultivés pour nourrir la famille et pour vendre. Ici, les pratiques agroécologiques font recette. Le puits, objet de toute attention, est financé par le centre et remboursé en microcrédit. L'arrosage, couplé aux techniques de la culture en poquet, du compost, du paillage, du binage, garantira la pousse et une bonne récolte. Le manguier, geste d'amitié, de solidarité, d'engagement. La plantation du manguier entre chaque apprenti et le parrain ou marraine de son choix a marqué la fin du séjour et le début d'une vie et la promesse pour certains de revenir manger des mangues dans 4 ans. Waaw ma ngi leen di nuyu ak seen tur ak seen sant man man président elle est
Safa. Wow, yo. Not to do. Maria. Voilà. Merci. Merci. Fatu fai fai fatu fatu ke masi yo fatu yo si la 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 go fatu yo si la 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 go fatu yo si la 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 go fatu fai fai fatu fatu ke masi yo fatu yo.